J'ai deux amours, mon pays et Paris, Ariel Dombal. Merci Jean-Pierre Coff. Ariel Dombal, j'ai deux amours. Omar et Joséphine, elle va nous rejoindre tout à l'heure. Merci, on applaudit, c'est Boy. Ariel Dombal. Merci. À tout à l'heure, Ariel. À tout à l'heure, Ariel. 36, 32. De vous embrasser. On vous embrasse. Ariel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle a chanté tout à l'heure dans une Rome de déesse. J'ai deux amours. Elle s'est changée entre-temps. Ariel Dombal. C'était une robe de sirène. Et il ne faut pas oublier que Joséphine Baker, quand elle chantait nue avec des bananes. C'était vrai. Encore plus audacieux. Mais on pensait que vous viendriez comme ça ce soir. Je n'ai pas osé, voilà. Mais il faut dire que nous sommes heureux d'être là. Cet endroit qui a vu tant de chanteurs, tant d'inspiration. Et c'est bien d'avoir choisi cet endroit qui est le cœur de Paris. Alors, ce soir, vous vouliez nous dire un petit mot sur ce qu'on appelle le parcours santé.
Oui, voyez, je lisais dans un journal il y a peu de jours que généralement les gens meurent après des chutes. Oui. Et les gens âgés, quand on est âgé, et nous tous nous le serons un jour, eh bien on tombe et on se retrouve à l'hôpital. Et le kiné essaie de vous rééduquer. Et on ne pense qu'à une chose, pourvu que je me lève de cette horrible lit et que je puisse remarcher, faire quelques pas dans les jardins. Eh bien, grâce à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, grâce à Madame Chirac, qui a décidé d'aider les personnes âgées, alors que les personnes âgées sont les grands oubliés, et surtout en France. Quand il y a eu ces accidents, comme vous l'avez justement dit, la rééducation, elle passe par un parcours santé, qui coûte bien très cher, qui est très habilement fait, j'en ai vu un jour. Voilà. Il y a des gravillons, il y a des virages, il y a une modification du relief qui fait qu'on réapprend à mettre un pied devant l'autre. Exactement. Et pour ça, il faut de l'aide, parce que ça ne vient pas tout seul. Ça coûte très cher. Alors, il y a 16 projets qui ont été soumis cette année à la Fondation. 35. Depuis le début, vous avez noté le nombre de projets qui ont été subventionnés depuis 11 ans grâce à vous. Il faut continuer. 36, 32. Ça coûte 20 000 euros, un jardin parcours santé. Voilà, c'est merveilleux d'imaginer. Merci, chère Arielle Dombasle.